Hello! Alors, il est comment ce Joker 2, aka Joker Folie à 2? Et surtout, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Eh bien, je serais tenté de répondre à la fois oui et non. Je vous explique. Cette suite de Joker débarque donc en salle après une présentation à la Mostra de Venise, comme le premier qui y avait acquis une légitimité qui a largement participé à son énorme succès. Beaucoup de retours de cette projection indiquaient qu'on était en présence d'une redite du premier opus, et je suis à peu près d'accord. Une redite pas trop mal fichue, un peu relou hein, mais on va y revenir, et finalement assez logique vis-à-vis des intentions de Todd Phillips et de son co-scénariste Scott Silver, qui restent toutefois intéressantes, surtout quand elles sont exprimées à la toute fin, mais surtout parfaitement déprimante. Je m'immisce 2 minutes dans cette vidéo parce que le Joker qui revient dans les années 80, c'est vraiment un petit joueur à côté de Max, l'héroïne du roman Les Chroniques de Sainte-Marie, un monde après l'autre, dont on est partenaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle, c'est une historienne qui remonte dans le temps pour voir de ses propres yeux la disparition de Pompéi sous la lave, la destruction de la mythique bibliothèque d'Alexandrie, le grand incendie qui a ravagé Londres au XVIIe siècle, ou encore le règne des dinosaures. Vous l'avez compris, à l'Institut Sainte-Marie, les historiens et archéologues ne se contentent pas d'étudier l'histoire, ils la vivent. Et pour ça, ils doivent être surdoués et surentraînés, parce que l'écrivaine britannique Jodie Taylor a pensé le voyage dans le temps dans les moindres détails. Du coup, elle y apporte un pragmatisme assez amusant. Comment reconnaître les symptômes de la peste? Comment soigner une fracture ouverte ou éteindre un incendie? Comment se battre en cas de besoin? Et surtout, ne pas mourir, car l'histoire, avec un grand H, a toujours un coup d'avance sur eux. C'est disponible à partir du 3 octobre chez Pocket, dans leur label Étoile montante de l'imaginaire. Un monde après l'autre est le premier tome d'une série de 14 romans, mais les deux premiers tomes seront publiés en même temps pour le lancement de la série en format poche. En plus d'être bien écrit avec un humour à l'anglais savoureux, ce concept de science-fiction à la Doctor Who est juste très ludique parce que bah, qui n'a jamais rêvé de pouvoir voyager au temps des pharaons, de la Grèce antique ou des châteaux forts pour percer les plus grands mystères de notre histoire ? Même si toute la bande de marginaux qui nous est présentée est attachante, mon coup de cœur, c'est vraiment Madeleine Maxwell, alias Max, la protagoniste, qui a un sens de la répartie délectable, ainsi qu'un lourd passé qu'on découvre petit à petit, et qui apporte une touche plus grave à ce récit qui se lit tout seul. Allez, je vous laisse, bon retour à Gotham City. Commençons par le commencement. En septembre 2019, donc avant la sortie du premier film, Todd Phillips a fait taire les rumeurs. Je cite, « On n'a pas de projet de suite. Le film a toujours été pitché comme un seul film, c'est tout. » Et ça les enfants, c'est pourquoi il ne faut jamais croire à les interviews promo des réalisateurs hollywoodiens. Qu'est-ce qui a donc motivé la mise en route d'une suite ? La thune, bien entendu, ah non pardon, l'incroyable succès de Joker qui est devenu le plus gros carton pour un film R avant que le dernier Deadpool ne le détrône. A partir de là, tout s'est plutôt bien goupillé puisque même Joaquin Phoenix, l'homme qui choisit ses rôles comme je choisis mon dessert au supermarché le midi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choix et je change souvent d'avis à la caisse, a sauté sur l'occasion. Il faut dire qu'il caressait apparemment l'idée de retrouver son personnage dès la production du premier, puis bon voilà, entre temps il a chopé un Oscar, hein, donc évidemment. Et bien sûr, tout ça s'est fait dans le confort, car Warner et ses coproducteurs auraient craché, selon Variety, un bon 200 millions de dollars pour la chose, sachant que le premier en avait coûté 60 et que c'était très logique, vu qu'il s'agissait d'un drame social. Alors oui, les salaires ont dû en engloutir une bonne partie, d'autant que le cinéaste s'est offert les services de très bons acteurs comme Brendan Gleeson, et que Lady Gaga empoche a priori 12 millions. Quant à Joaquin Phoenix, son salaire s'élèverait à 20 millions de dollars, soit un vrai gros salaire de vedette de blockbuster. Pour cette somme-là, je veux bien me mettre à la diète et à prendre les claquettes. C'est tout de même énormissime, hein, quand on sait que ce Joker 2 est un mélange de films carcéral et de films de procès, parsemé de scènes de comédie musicale, dans des décors un peu à la Américain à Paris. Joker 2 est un véritable blockbuster en fait, hein. Sans action ni rayon laser, mais un blockbuster quand même. Et comme tout bon blockbuster contemporain, il aime balancer l'argent par les fenêtres. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire mon rageux ou pour me lamenter de l'état de mon compte en banque, bien au contraire. Car contrairement à la plupart de ses collègues, Phillips assume complètement avoir fait de son film non pas une suite à Joker, qui n'était pas prévu de toute façon, mais une suite au succès que Joker a eu. Il le dit texto dans le dossier de presse, et c'est assez évident d'ailleurs à la vision du film. C'est à la fois ce qui le rend intéressant, et son plus gros problème.
Car quand je dis que le film s'empare et traite dans son scénar le succès du premier, je veux pas dire qu'il se gargarise d'avoir fait péter le box-office. En fait, il part de tout ce que ce carton a créé de négatif. C'est-à-dire les gens qui ne l'ont pas compris, ou plutôt qui l'ont compris à l'envers. Vous voyez qui j'ai en tête, vous voyez qui il a en tête, ce mec qui, ébloui par la performance de Joaquin Phoenix, a mis sa tronche en photo de profil et a instantanément créé une page Facebook « La société est une comédie », trois petits points, où il publie de la philosophie de comptoir sur des screenshots ou des fanarts volé du film. Le Joker, c'est son héros dark torturé, mais qui sème l'anarchie de la manière dont lui l'entend. C'est ce dont il rêve depuis longtemps en fait, une figure contestataire politique, mais dépolitisée, puisque Internet lui a appris que la politique était un gros mot. Ou pour le faire vite, Joker décrit un monde tellement malade qu'il a érigé Arthur Fleck en icône, sans se dire que peut-être que lui-même existe dans un monde tellement malade qu'il pourrait ériger Arthur Fleck en icône. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, wink wink Patrick Bateman, et d'ailleurs j'avoue que dans ma plus tendre adolescence, je voyais Tyler Durden comme un modèle. Ah, j'étais con. C'est parfois la rançon de la gloire hollywoodienne, et ça peut parfois exaspérer les artistes, au point donc de traiter le sujet dans une suite. Joker, Folie à deux, est donc à peu près centré autant sur le mouvement instauré par son anti-héros que sur son anti-héros. Le film prend place à la suite des événements du premier. Incarcéré à l'asile d'Arkham, Arthur est jugé pour ses crimes, et son procès est atypique pour trois raisons. Premièrement, il est diffusé à la télévision. Deuxièmement, la ligne de défense adoptée par l'avocate est de clamer qu'il a un trouble dissociatif de l'identité, et que ses tueries sont l'acte de son alter ego Joker. Troisièmement, l'alter ego en question a des hordes de fans à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal qui scrutent le moindre de ses mots, puisqu'ils en ont fait le porte-parole de leur ras-le-bol. Des hordes de fans évidemment représentées par la plus grande des fans, Lee, protagoniste inspiré évidemment par Harley Quinn, qui va pousser Arthur à embrasser l'identité du Joker. Vous allez me dire, eh ben c'est super intéressant, et dans le principe, oui. Un long métrage aussi populaire qui remet en question sa propre notoriété, c'est toujours intéressant, presque malgré lui du coup, il soulève au cours du procès des questions relativement rares, notamment sur la manière dont la pop culture et ses adeptes traitent, pour ne pas dire instrumentalisent, les troubles mentaux comme la schizophrénie sévère. À vrai dire, c'est selon moi la partie la plus intéressante du film, avec la fin peut-être qui certes ne réinvente rien, mais a le mérite d'aller au bout de la démonstration. Le reste consiste donc à jouer avec les hypothèses qui font du personnage une icône, et de poser la fameuse question, abordée frontalement dans le dernier acte, et si les gens les plus dangereux, les vrais antagonistes de Gotham City, de la vie en général, ce n'était pas un seul bonhomme, mais tous ceux qui se créent des symboles fictionnels, plutôt que de se retourner contre ceux qui les mettent en lumière, j'ai nommé, bien sûr, les médias, qui n'ont pas du tout le beau rôle dans cette histoire une fois de plus. On n'est pas au sommet de l'impertinence politique, mais comme dit précédemment, il s'agit d'un blockbuster, et les blockbusters qui tentent de réfléchir un peu aux figures qu'ils ont eux-mêmes propulsées au firmament, eh ben on n'en voit pas tous les jours. Mais dites-moi, du coup, est-ce que ça raconterait pas un peu exactement la même chose que le premier. Dans les deux cas, on a Arthur Fleck, humilié par les gens qu'il côtoie, qui rêve d'un autre destin grâce à un personnage tiers haut en couleur, et qui, victime d'un système médiatique qui adorerait le voir péter un câble et se transformer en Joker, pète un câble et se transforme effectivement en Joker. Le tout avec l'appui d'une population qui a besoin d'un symbole pour exprimer sa rage, et encore, je vous passe les autres correspondances pour ne pas spoiler, mais c'est un fait. Folie à deux raconte exactement la même chose que son prédécesseur, ou plutôt il se charge d'expliciter tout ce qui était autrefois relativement implicite. Il ne raconte pas le procès du Joker, mais le procès de Joker, le film, qu'il va donc retracer au point de convoquer des seconds rôles et leur demander de réciter leur fiche personnage à la barre. Les mauvaises langues, donc dans ce cas Antoine, diront que le premier volet étant un remake à peine déguisé de La Valse des Pantins et de Taxi Driver, le second aurait bien du mal à raconter quelque chose, et force est de constater que le film fait l'exacte même démonstration que son prédécesseur, seulement cette fois, il y a Todd Phillips qui t'attrape et qui te dit « Et toi là, cette fois ?» Je peux pas être plus clair sur ce qui est vraiment le Joker, je te le répéterai pas. Pour résumer donc, Joker 2 c'est Joker 1 pour ceux du fond qui n'ont pas suivi. Et pour ceux qui n'ont même pas suivi Joker 2, vous allez me demander, et bah c'est simple, ils ont même prévu un Joker 3. Enfin un Joker 3, c'est surtout les scènes de comédie musicale qui prennent place majoritairement dans l'esprit des personnages et qui viennent donc expliciter les choses explicitées par le procès. Donc là, plus personne n'a d'excuses, hein. Phoenix est à deux doigts de chanter la note d'intention toutes les 10 minutes, et on va pas se mentir, ça m'a pas mal tapé sur le système. Alors oui, je sais, dans les comédies musicales dont s'inspire le long métrage, on exprime aussi ses sentiments dans les chansons. Mon amour, je t'aime, je t'aime.
Mais les dites comédies musicales ne sont pas des drames carcéraux qui font l'explication de textes d'un sous-Scorsese sorti il y a 5 ans. Et surtout, les dites comédies musicales proposaient souvent des séquences de spectacles impressionnantes. J'ai rien contre Lady Gaga, j'ai même rigolé devant Machete Kills, c'est dire, mais les scènes de comédie musicale sont juste... passables. Et au bout de 2h20, personnellement, ça m'a un peu saoulé. Cet aspect du film n'est pas archi réussi selon moi. Le truc est à mi-chemin entre un musical à l'ancienne et l'esthétique scorsésienne héritée de l'original, ce qui donne un drôle de bidule qui en fait n'utilise l'esthétique du genre que pour asséner sa thèse avec un marteau en adamantium. D'autant que son utilisation des musiques préexistantes est assez comparable à celle de... de Sucker Punch, hein, qui lui aussi d'ailleurs tentait de s'adresser à une certaine frange de la planète pop culture pour mieux la contredire. Pas certain que ce soit la meilleure des références. Mais voilà, Joker 2 est finalement, je l'ai dit, un drôle de bidule, une fausse comédie musicale, un vrai drame à 200 patates, et surtout un sacré produit de la culture internet. Le web a tellement détraqué les débats qu'on a sur le cinéma actuellement que les réalisateurs se sentent obligés de refaire des films pour remettre les pendules à l'heure et consacrer plus de 2 heures à répéter plus lentement ce qu'ils voulaient originellement dire. C'est tout à leur honneur, mais l'immense majorité des gens qui ont juste apprécié le premier film pour ce qu'il est, vont juste se dire « Ok, c'est sympa, mais je le sais déjà. » Je cite encore une fois le réalisateur dans le dossier de presse, qui est quand même super lucide. « Étrangement, le premier film abordait des thèmes assez proches. » Bah oui, Todd, c'est bien le problème. Joker 2, avec ses qualités et ses défauts, hein, c'est quand même un sacré aveu d'échec. L'échec de ne pas pouvoir aller plus loin que la bonne copie d'élèves de Scorsese, mais aussi l'échec d'une culture pop qui est maintenant traité par les studios comme un ramassis de gros bébés capricieux. La fessée est amusante, mais elle fait un peu mal aux fesses. C'est peut-être un peu leur faute, c'est peut-être un peu notre faute aussi d'ailleurs, hein. Mais c'est surtout la faute des réseaux sociaux. Todd Phillips a en soi bien raison de s'y attaquer à mi-mot, surtout après certains événements plus ou moins récents auxquels fait écho le scénario, mais c'est quand même triste de constater que leur toxicité transforme le cinéma grand public en programme éducatif pour teubés. Peut-être faudrait-il plutôt s'adresser à la majorité silencieuse qui ne profite pas du miroir déformant des GAFAM et n'a pas le temps ou l'envie de raconter n'importe quoi sur Twitter. Eux ont le droit à des films qui racontent pas 15 fois la même chose. Je remarque en fait à chaque fois que je fais une critique sur un truc, je finis en disant « c'est la faute des réseaux sociaux ». Bon voilà, c'est aussi la faute des réseaux sociaux si j'arrive pas à conclure cette vidéo, hein. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur le site, ça vous donnera accès à du contenu exclusif sur plein de films qui nous et vous tiennent à cœur. Et si vous voulez perpétrer un peu l'univers de Batman via nous, vous pouvez cliquer juste ici pour avoir une vidéo sur une autre œuvre tirée de cet univers qu'on a un peu plus aimé. Salut !